Oui, on va. Bien, d'abord, merci de votre question, mais avant de répondre, je voudrais profiter de l'occasion d'être à votre antenne pour d'abord remercier, donc adresser nos plus sincères remerciements et notre plus profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohamed VI et de l'Assiste, les autorités marocaines et le peuple marocain pour l'accueil, l'assistance, l'hospitalité qu'ils ont témoigné envers notre chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, lors de pendant toute la période de sa convalescence ici au Maroc. Pour revenir à votre question, je suis venue ici dans le cadre d'une invitation de la Chambre de commerce et d'industrie des services de la région de Rabat Saleh Kenitra, qui soutient activement le plan de relance de l'économie gabonaise. Aujourd'hui, le Gabon est, est engagé dans la diversification de son économie, ce qui passe par un certain nombre d'investissements dans des secteurs prioritaires. Et donc, nous avons un ensemble de conventions, de coopération avec le Maroc. Et nous avons voulu aujourd'hui pouvoir nous inspirer de ces modèles marocains. Aujourd'hui, le modèle marocain, sur le plan industriel, connaît des avancées remarquables et vraiment un modèle de réussite. Et dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous avons voulu dynamiser ces accords que nous avons et bénéficier de l'expertise marocaine dans le cadre, nous aussi au Gabon, de la mise en œuvre de notre plan d'industrialisation.